Bonjour à tous. Donc nous continuons les mystères lumineux avec ce livret, Le Rosaire et les Malades, édité par l'abbaye de Chambaran. Donc Seigneur, nous prions dans ta divine volonté, immerge-nous dans ta divine volonté, multiplie les grâces à l'infini, sanctifie-nous, protège-nous, bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Premier mystère lumineux, le baptême du Christ. Tu es mon Fils bien-aimé. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Nul n'a jamais vu Dieu, nul ne sait qu'il est Père, mais Jésus nous l'a révélé, et l'homme apprend qu'il est aimé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le baptême est le sacrement qui commence. Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l'aube. Une naissance qui ne se trouve jamais plus. Et le baptême est le sacrement du premier jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une fois que l'eau de la régénération et la communion au pain de vie ont transfiguré notre humanité en Jésus-Christ, notre vrai nom de baptême est bien-aimé, et notre vocation est d'être des aimants jusqu'au bout. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce Dieu humble est caché dans la région la plus profonde et la plus intime de nos cœurs. Il se révèle comme un souffle frêle, la voix intérieure de notre conscience humaine. C'est cette conscience qui nous lie à tous les autres humains. Par elle, nous faisons partie de la grande famille humaine. Mais comment libérer cette voix? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans chacun d'entre nous, il y a des linéaments d'une statue divine, le ferment qui transforme une vie. Qu'agisse le marteau du sculpteur et la statue se dégage, splendide, debout et vivante. Par la mort à la vie, cela est vrai pour le temps, cela est vrai pour l'éternité. D'homme fait, le Sauveur n'en connaît pas, mais des hommes toujours à refaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Cette parole n'a cessé d'accompagner Jésus et de chanter dans son cœur tout au long de son ministère. Elle était la lumière de sa vie, la source de son inspiration. C'est à elle qu'il revenait lorsqu'il se retirait dans la solitude pour prier et qu'il disait Abba. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelque part, très loin, très au fond, une toute petite voix me dit, sereine et étrangère à toute résignation, qu'importerait que tu demeures infirme? S'y s'ouvrait alors le temps d'une action de grâce vraiment vraie, le temps d'être tout à fait content de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une certaine forme de souffrance accompagne nécessairement toute vie humaine qui cherche à se réaliser en vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vivre selon l'Évangile, c'est goûter une sorte de légèreté de l'être, c'est voguer,
fût-ce à travers des temps d'effroi, vers plus de paix. Venez à moi, vous tous qui peinez. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En toi, toutes nos sources. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Deuxième mystère, l'annonce du royaume. Venez les bénis de mon Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Celui qui veille à l'ombre de ta voix devient ce qu'il écoute. Assis, ravi de joie, il tend l'oreille, gardien de tes merveilles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus aussi était un simple berger, mais quel berger, mon enfant! Pasteur des 100 brebis qui sont demeurées dans le bercail, pasteur de la brebis égarée, pasteur de la brebis qui revient. Et par cette brebis égarée, Jésus a connu la crainte dans l'amour, et ce que la divine espérance met de tremblement dans la charité même. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il faut avoir été au moins une fois vraiment perdu et retrouvé pour savoir pourquoi nous appelons Jésus Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce dont je suis certaine, c'est que le Dieu en qui je crois pleure avec moi, se bat avec moi, espère avec moi. Il est avec moi et m'invite à chercher et trouver comment l'événement de la maladie peut être une expérience où la vie se manifeste, même dans son enchevêtrement avec la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu croit en moi. On parle toujours de la foi de l'homme en Dieu, mais Dieu aussi croit en moi. Dieu espère en moi, Dieu m'aime, et ce qui libère, c'est, au cœur de la souffrance, de reconnaître cela et de développer ce don qu'il me fait par son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pourquoi? Vers quel chemin, vers quelle expérience de vie, vers quelle conscience me mène ma maladie ou ma souffrance? Est-ce que je peux en faire une occasion de lumière et d'amour? Louis m'a confié un jour que sa maladie l'avait conduite à l'essentiel. Il s'était senti sculpté par elle, jusqu'à devenir capable de joie et d'humilité. Oui, plus il sent la maladie le réduire, plus il éprouve cette joie insensée, intime. Qui peut comprendre cela? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La joie de Dieu est de recevoir ce qui construit l'homme. Elle est d'accueillir ce que l'amour du Christ permet à l'homme de bâtir, malgré les forces de désunion que représente la souffrance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La divine douceur sauve tout. Elle veut tout sauver. Elle ne désespère jamais de personne. Elle croit qu'il y a toujours un chemin. Elle est inlassablement inlassable à enfanter, soigner, nourrir, réjouir et conforter.
Oh, qu'elle est désirable. Elle est le sel de la vie. Le moment où on le sait, c'est celui de la douleur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aimer, c'est choisir de vouloir faire de la vie avec tout, même avec la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère en ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Troisième mystère, les miracles de Jésus. Jésus guérit de nombreux malades. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Point de blessure que sa main ne guérisse. Rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce où la vie reprend. Flamme jaillit des cendres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une parole divine retentit dans mon âme. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ce n'est pas par comédie que je me suis fait ton serviteur. Ce n'est pas loin, ce n'est pas de loin que je t'ai touché. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce qui est premier quand on a mal, c'est que ça s'arrête. Et ce qui donne à réfléchir à cet égard, c'est ce que nous dit l'évangile de l'attitude de Jésus en face de la souffrance. Que fait-il? Il ne cherche pas les coupables, il ne demande pas d'expier, il guérit. Je ne crois pas qu'il y ait un seul exemple où Jésus, devant un aveugle, un lépreux, un paralytique, ait parlé d'offrir sa souffrance à Dieu. Jésus est touché, il s'approche, il guérit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'avais perdu toute confiance. La visite de Roman m'a remise dans le tourbillon de l'amour. Je n'ai rien à craindre. Je peux quémander un miracle sans en avoir honte. Désormais, place-toi au premier rang des suppliants. Cela me fait joyeusement rire. Sors de ta fierté, c'est le dernier obstacle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Humilié et meurtri, le corps garde ou acquiert peut-être son autre grandeur, sa dignité absolue, car il reste et devient la présence, la simple présence, sans rien de plus, où vient la divine douceur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le miracle ne consiste pas dans une séquence de gestes attendus, comme de rouler son matelas sous le bras et de rentrer chez soi d'un pas leste. Non, c'est un miracle plus inattendu encore. Il est autour de moi comme une senteur qui pénètre tout. Il est contenu entier dans ce sublime mot ancien, béatitude. Il me recouvre tout entière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qu'est-ce que c'est guérir? Un retour à la santé ancienne, comme s'il n'y avait rien eu? Ou quelque chose d'inédit, mais qui se souvient du passage? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pierre m'aide beaucoup.
Sa faiblesse attire ce qu'il y a de plus profond en moi, mon cœur. Il m'aide à pénétrer dans l'évangile et à le vivre. Ce n'est pas du sentimentalisme, mais un don qui m'a été donné, qui implique, comme tout don, des exigences et un engagement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qui guérit qui? T'ai-je assez dit à quel point ta liberté nous libérait, ton courage nous encourageait, et comme ta guérissure nous guérissait? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aimer, c'est être assez dépouillé de moi-même pour que mon cœur puisse battre au rythme du cœur de l'autre, que sa souffrance devienne ma souffrance. C'est compatir. Que ton salut me redresse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Quatrième mystère, la transfiguration. Jésus fut transfiguré devant eux. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ô toi dont les pas conduisent le cheminement de l'homme, Jésus, maître du temps, ton visage d'éternité laisse voir pour un instant la joie promise. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Devant le transfiguré, nous sentons que notre regard était blessé, que la face cachée des êtres lui restait opaque. Une fenêtre s'ouvre sur l'au-delà du visible. La réalité se révèle autre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En s'engageant sur la route des ténèbres, Jésus va y porter là aussi la nouvelle proximité de Dieu, et avec elle le royaume. Celui-ci y sera caché comme nulle part ailleurs, mais son pouvoir transfigurant y sera présent comme nulle part ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et lorsqu'il n'y a plus rien à comprendre, le seul choix est alors d'entrer dans son mystère et d'oser croire que la lumière viendra de l'intérieur, que l'impasse peut se transformer en passage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce passage, cette reconnaissance de soi-même devenue autre et toujours unique, vécue au plus intime de soi, cette expérience corporelle et psychique est inconnue des soignants qui ne peuvent se mettre à la place de la personne handicapée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tout subsiste en Christ. Parole qui invite à regarder les choses de la vie quotidienne comme on regarde une icône, c'est-à-dire en acceptant d'y découvrir la réalité christique qui la fonde et l'anime. Mais un tel regard exige de voir avec le cœur, et qui plus est, avec un cœur habité par l'esprit, car seul l'esprit scrute tout, jusqu'aux profondeurs divines. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Transfiguré. Il ne faut pas y voir que le soleil ou la blancheur éclatante. L'ombre aussi peut transfigurer. Tout au long de sa passion, une femme fut transfigurée devant moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La libération apportée par Jésus ne se réalise vraiment que dans une transfiguration. Jésus laisse l'homme avec ses faiblesses et ses souffrances, avec sa solitude et sa mort, mais il les transfigure en les prenant sur lui-même et en faisant de la condition humaine la plus pauvre le signe même de la nouvelle proximité de Dieu au monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comment aurais-je pu soupçonner que je puisse être encore si heureuse, d'un bonheur sans fin, illimité, qui ne veut rien, qui n'attend rien, sinon l'émerveillement de chaque rencontre, de chaque seconde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est à tous les instants de notre vie que Jésus vient et ressuscite en nous. Aussi, c'est devant nous et non pas derrière nous que nous devons regarder, et bientôt le voile qui est devant nos yeux tombera et nous pourrons le voir. Que ton visage s'éclaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cinquième mystère, l'institution de l'Eucharistie. Ceci est mon corps donné pour vous. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Mystère de foi, signe d'amour. L'oblation de Pâques, le Christ la remet dans nos mains tendues pour l'offrir au Père, corps de celui qui porta dans sa chair nos blessures, sang de celui qui passa de la mort à la vie, Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Entre les mains de Jésus qui ont aimé jusqu'au bout le pain, la coupe, prennent un sens nouveau. S'il dit sur le pain, ceci est mon corps, s'il dit sur le vin, ceci est mon sang, c'est parce qu'il le disait aussi sur nos pieds quand il les tenait entre ses mains. Tu es mon corps, chair de ma chair. Entre ses mains, tout ne fait plus qu'un. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Christ, pain de vie, n'est en rien une nourriture qui ferait taire toutes mes questions. C'est même le contraire. Jésus est, et par excellence, question. L'approcher, se nourrir de sa parole, c'est inévitablement faire surgir de façon inlassable dans les profondeurs de mon être un. Mais qui donc est cet homme? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ceci est mon corps, quatre mots. Est-il plus court chemin entre la naissance et la mort? Toute une vie, l'entier d'un évangile dans ces quatre mots. Incapable d'aucun geste, souffrant de partout, complètement dépendant, corps livré, voici que ces mots de la messe prennent un sens réel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Charlotte s'est blottie davantage encore dans mes bras.
Elle me dit qu'elle sent une douce chaleur en elle, une envie d'aimer. Je sens que j'ai encore beaucoup d'amour à libérer. C'est cela qui va t'aider, ma chérie. Tu ne peux plus faire grand-chose dans ton lit. Mais manifester cet amour que tu sens en toi, ça tu peux le faire, lui dis-je en la quittant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il n'y a pas d'offrande de soi réelle si elle n'est pas aussi corporelle, Eucharistie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. La nourriture dont parle Jésus est sa présence réelle dans nos cœurs. Il nous invite à avoir faim et soif de sa présence d'amour, de sa présence réelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si Dieu est amour, il révèle que l'amour prend corps, et mieux encore, il prend soin du corps, à commencer par le plus meurtri. Prendre soin de ton corps n'est pas étranger au partage du pain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Corps livré. En soi, ce n'est pas intéressant s'il n'y a pas un pour vous. J'ai demandé à l'aumônier de m'apporter avec son hostie un des malades rencontrés dans sa tournée. Aujourd'hui, une petite fille italienne, leucémique. Ce sera elle mon pour vous de ce jour. Tu es avec moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.